Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. Wil je beginnen werken met een trekpaard en je bent nog onervaren, dan luidt het advies van Jean-François Millet. Start met een ervaren paard. Ken je werktuigen en doe ervaring op. Heel snel zal ik kunnen genieten van een unieke band tussen mens en dier. Bonjour, je m'appelle Jean-François Millet. Je travaille au Trait du Nord depuis début juin de cette année, pour mon plus grand plaisir. J'ai toujours travaillé avec des chevaux pour le plaisir presque toute ma vie. Après, j'ai été indépendant ici les trois dernières années avant de travailler au pôle en débardage et bûcheronnage avec des chevaux de trait. J'étais à mon compte. Je peux aussi lier ce plaisir de travailler avec les chevaux au pôle Trait du Nord. Ici aussi, bon, si quelqu'un a un cheval et qu'il veut travailler avec, il faut voir un petit peu déjà le cheval en lui-même et la personne. Si la personne est débutante, moi je ne lui conseille pas alors un jeune cheval qui n'a jamais travaillé ou non débridé, ou alors même un plus vieux cheval mais qui n'a jamais rien fait, que de rester en prairie. Je conseille plutôt un cheval qui a de l'expérience. Comme ça, il apprendra mieux. Le cheval saura un peu corriger ses erreurs, parce que ça reste quand même du travail assez dangereux. Faut toujours faire attention à ses jambes, ses mains, et on sait jamais un peu la réaction du cheval, donc il faut toujours être attentif à ça. Donc si on est débutant, il faut se faire encadrer déjà par des professionnels pour se faire former. Et après on peut voir par la suite, si jamais après, avec quelques années, la personne est compétente, a déjà de l'expérience, alors peut-être se rapprocher avec un cheval plus jeune, ou qu'il mettra peut-être en route lui-même, et où ils feront une bonne équipe de travail. Pour un qui commence, je vais parler un peu plus du débardage. D'abord il faut avoir un cheval qui a de la direction. Il faut toujours faire attention, être vigilant, c'est surtout à ses mains et ses pieds, parce que là on n'est jamais à l'abri d'un accident suivant la réaction du cheval qui tourne un peu plus court que prévu. C'est qu'il faut être vigilant là-dessus, ça c'est les premières choses où il faut faire attention. Bien se placer suivant les bois que l'on débarde ou qu'on débusque, soit derrière le palonnier ou derrière le bois s'ils sont assez courts, pour éviter justement des fois de se faire toucher par le bois, ne pas être trop près. On fait aussi du débardage et du débusquage, c'est pour aussi ne pas abîmer les autres arbres qui restent debout. Donc il faut être assez précis suivant la longueur de l'arbre qu'on a pour ne pas blesser ce qui doit rester sur pied. Et après, pour le plus ce qui est travaux agricoles, c'est connaître ses outils, les réglages des outils, pour ne pas donner du mal au cheval inutilement, ceux qui se blessent. Et c'est toujours en forgeant qu'on devient forgeron, c'est le travail qui paye, et puis c'est l'expérience qui fait tout ça. Avec le pôle Trait du Nord, ce serait promouvoir le travail du cheval de trait, dans des zones plus fragiles où les machines ou ne savent pas passer, ou parce que le terrain est trop marécageux, ou ne savent pas rentrer. Mais il y a plein de choses que le cheval peut encore faire quand, bien sûr, ce n'est pas des gros travaux genre mise à blanc ou autre. Mais je pense que le cheval est encore utile, et en plus les émissions de CO2, elles sont quasiment nulles. Et le sol après, même pour le débardage, après 3 semaines, 1 mois, on ne voit plus qu'on est passé au cheval. La nature a repris ses droits, ce qui n'est pas toujours le cas avec des machines. Le plaisir de travailler avec un cheval, tout d'abord c'est une passion. Faut être un passionné. Et le plaisir, c'est un peu inexplicable. Quand on travaille avec les chevaux, que ce soit attelage, moi plus les débardages, je vois pas mes journées passer. Les journées passent très vite, tellement qu'on prend du plaisir à travailler, même si c'est des fois un peu dur physiquement. On est bien content d'avoir passé une bonne journée, et on fait une équipe aussi avec les chevaux. On est un binôme de travail, ça c'est important, et c'est un plaisir inexplicable. Moi, je trouve ça tous les jours, je suis content de commencer ma journée.